le monde. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un haul action. En fait, je suis passée à action parce que je cherchais les blocs de Noël, parce que je suis en train de préparer un tout nouveau projet que je vous montrerai bientôt. Je vais vous montrer les ébauches. C'est un calendrier de l'Avent, donc j'ai fait des recherches de formes. Et ce calendrier de l'Avent que je vais vous faire, je vais tenter, sera de forme d'un traîneau de Père Noël. Donc j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour faire mon prototype. Et du coup je vous montre ce que j'ai acheté. Alors j'ai pas pris que pour Noël, j'ai pris d'autres trucs aussi que j'avais pas trouvé et que là j'ai enfin trouvé. Donc commençons par ça. J'ai trouvé les palettes d'aquarelle métallique que je n'avais jamais vu avant et que je cherchais. Les voici, il n'y avait que trois couleurs. Il y avait la teinte bleue, la teinte violette et la teinte orange et grise que j'ai utilisée ce matin, sauf que je ne sais plus où je l'ai mise. Donc je peux vous la montrer. En ce qui concerne les prix, si je dois retrouver, aquarelle métallique, 1,45€ chacune. Donc il y a les trois, mais et la troisième, je ne sais pas où je l'ai mise. En fait, j'ai fait des trucs, j'ai tout rangé. Et du coup, je vous la montrerai plus tard si je la trouve. Donc voilà, les aquarelles. J'ai trouvé ce bloc de stickers. Donc de mémoire, ils sont à 79 centimes. Je ne vais pas regarder le ticket toutes les secondes, mais voilà, je vous le montre. Je ne l'avais jamais vu. C'est des petits oiseaux gris avec des cages dans un thème gris, un peu parme, rose et noir. Donc je ne les avais pas, ceux-là. Je les ai trouvés trop mignons pour décorer un petit album de Noël. Donc ça c'est 79 centimes de mémoire. Ensuite, j'ai pris d'autres dies. J'ai pris, alors c'est des nouveaux je pense. C'est des petites maisons, ici des petites maisons de bordure. Là c'est des petites, des tasses etc. Et là c'est une bordure avec comme une couture. Donc ça doit être 1€ et quelques je pense. Entrée 99 centimes, 99 centimes les bordures, donc j'ai aussi pris celle-là. Avec des petites accolades, des petites fleurs et une vague festonnée. Voilà. Et donc j'ai une dernière de bordure, des petites étoiles, encore des étoiles et des petits festons. Je vous mettrai les prix sur la vidéo. Donc là j'ai pris cela. Donc j'aurais bien aimé les avoir avant de commencer mon album bébé pour ma belle-sœur, mais je les avais pas, je les ai pris parce que je pense que je vais en faire d'autres albums bébés. Hop. Et j'ai pris celui-ci, le branchage, je le trouvais magnifique. À tester, je vais encore tester. Petit oiseau, pareil, faut tester, ça découpe ici apparemment, ça découpe l'aile. À voir. Ensuite, j'ai pris comme d'habitude un bloc comme ça. Bon, j'en prends pas à chaque fois, mais là... pour le mini album bébé, j'ai utilisé beaucoup de feuilles craft et beaucoup de feuilles blanches. Donc j'en ai repris un. Ce bloc là, il est à 1,95€. Et après, on passe aux achats pour le calendrier de l'Avent ou de Noël. Hop. Donc j'ai pris du fil de métal. J'ai pris trois couleurs qui font un thème Noël. En fait, le fil de métal... c'est pour faire cette partie-là. Et peut-être un contour. Je vais voir. Donc j'ai pris trois couleurs. Parce que je pense en faire plusieurs des calendriers de l'Avent du coup. J'ai pris le rouge pour Noël. Bon, il est un peu plus rose que rouge. Mais voilà, le rouge. Le un peu champagne, on appelle ça comme couleur hein, en général. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Donc il y a 5 mètres à chaque fois. Et le vert. Donc là, les 5 mètres, c'est 74 centimes. Voilà. Ensuite, j'ai pris des pailles en carton. Qui font un peu comme la canne à sucre. Enfin, le bonbon en canne à sucre. Hop. Donc ça sera pour faire les rails ici là, les petits trucs comme ça.
Donc là, les pailles, il y en a 40. Elles sont à 69 centimes, les 40. Ensuite, j'ai pris les twines aux couleurs de Noël. Donc rouge et verte. Désolée pour les couleurs, là, il fait gris en ce moment chez moi, donc c'est assez difficile de filmer. Donc rouge et vert. Ça à 59 centimes la bobine. Ensuite, alors c'est pas pour le calendrier de l'Avent, mais peut-être que je vais m'en servir pour décorer. Ils avaient mis des nouveaux blocs de cartes, de card making. Et du coup, je les ai pris. Alors, il y en avait 5 ou 6 en tout. Je les ai pas tous pris parce qu'ils m'intéressaient pas. Mais ceux-là avec le petit renard, trop mignon. En plus, en ce moment, il y a un défi renard sur Instagram, sur la page de Minétourdi. Donc, n'hésitez pas à y aller voir. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je ferai sûrement une carte avec, avec celle-ci. Bon, pas, je reproduirai pas cette carte exactement parce que le but c'est de créer quand même. Mais au moins, j'ai des petits renards que moi, j'ai pas de petits renards comme ça à utiliser de base. Donc, je vous montre les cartes qu'on peut faire avec. Celui-là, il reprend les visuels de blocs de l'année dernière. C'est avec ce bloc-là que j'avais fait le calendrier de l'Avent maison en bois. Je ne l'ai pas filmé, il faudrait que je le filme, je vous mette en vidéo sur YouTube et que vous puissiez aller voir. Donc là, on a celui-ci qui est dans les tons de bleu, qui représente un peu plus le froid, l'hiver plutôt que Noël. Trop mignon avec les petits pingouins, petite loutre là, petite loutre, elle est trop mignonne, petit renard aussi. Et celui-là qui est plus doré paillettes, qui reprend aussi un peu celui de l'année dernière, parce que ce personnage là on l'avait dans le blog de l'année dernière, j'avais fait un mini album avec, je vous mettrai le lien en barre d'infos, dans le petit là en haut à droite. Et donc c'est ces blocs de papier là pour faire des cartes sont super pour faire des mini-albums en fait. Je vous montre celui que j'ai fait la dernière. En fait, on utilise, j'ai utilisé les cartes format 10 par 15 en largeur. Et j'ai fait un album à cette taille là. Et donc en fait, hop, il y avait, j'ai fait des pages. Donc ça c'est une des cartes du bloc de la dernière. Une des cartes pour décorer. Et après, je faisais des pages avec des petits objets pour mettre des photos. Alors, je ne l'ai pas rempli, vous voyez. Mais voilà. Je pense que cette année, on va pouvoir faire un peu plus de photos que l'année dernière. Vous voyez, là, c'est notre carte. Voilà. Donc, je vais en refaire un. Et comme pour l'autre, je n'avais pas fait de tuto, je ferai un tuto pour celui-là, pour le coup. Et je pense que pour changer, je vais faire avec, avec celui-là parce qu'en fait, il est trop mignon. Et c'est vraiment des personnages et du coup, je pense que je vais faire avec celui-là. Bref. Chaque bloc, là, est à 99 centimes, chacun. Ensuite, pour décorer le dessus de mon traîneau de Père Noël, j'ai pris 2-3 petites choses. Alors, j'ai pris ceci. C'est une petite déco de Noël avec un petit sapin ici. Donc là, c'est un renne. Il existait en plusieurs versions. Il y avait un Père Noël ou un ours polaire, je crois. Ou si, un ours polaire. Enfin, je sais plus. À voir. Donc celui-là, combien il m'a coûté? Petit sapin Noël plus figurine. 1,35€. J'ai pris un petit bébé renne. Parce que je pensais faire un couleur rouge et vert, vraiment très Noël, et un plutôt blanc, doré, etc. Donc j'ai pris le petit personnage, 69 centimes. 69 centimes. Et après j'ai pris deux petits sapins. Ils n'ont pas la même taille tous les deux. Ah si, 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 ils ont la même taille. Il y en a un qui est vert à paillettes et l'autre qui a le bout blanc. Ils font 16 cm de haut et chaque sapin a coûté 99 centimes.
Avec ceci, j'ai pris une boîte de rubans, couleur de Noël. Enfin, c'est pas vraiment couleur de Noël, mais c'est couleur festive et dorée, en tout cas. Là, les rubans, c'est 99 centimes. Et pour le coup, je vais pas faire mes boîtes moi-même. J'ai préféré faire le prototype avec des boîtes toutes faites. Je les ai trouvées, donc je suis très contente. Elles font 5 par 5. Donc là, en fait, c'est ici, je vais mettre les boîtes dans le corps, 12 devant, 12 sur un côté, 12 sur l'autre. Donc je les ai achetées toutes faites. Donc il y en a 24, celle-là c'est les nouvelles. Il y avait celle de l'année dernière avec les anciens motifs, donc ça c'est le nouveau motif. Mais moi je vais les décorer, donc j'utiliserai pas les motifs qu'il y a là. Mais bon, c'est juste pour que vous sachiez. Et donc les 24 boîtes, elles sont à 2,29€. Voilà, voilà tout ce que j'ai pris pour faire du coup mon calendrier de l'Avent. Je reviens avec vous, vers vous avec le prototype d'ici 2 semaines, je pense. Le temps de bien le finaliser, que le tuto soit prêt. Et voilà, et donc une tarte de partager ça avec vous. Je pense que ça va être un gros projet et j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à le reproduire et que vos enfants seront très contents. Du coup, c'est tout pour ce haul. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Salut! Sitting at the bus stop, thinking about your smile.